laisse la place, s'il vous plaît. Quand j'invite, c'est lui qui va aussi inviter. Nous allons commencer par acclamer celui que j'invite. Amen. Et lui aussi invitera. Amen. C'est une continuité. Moi, j'invite, lui aussi va inviter. Et la chaîne continue. Amen. Hein. J'invite l'homme de Dieu, le révérend pasteur Edgar, quand il monte, nous acclamons. Jésus. Merci, que Dieu soit loué. Attends, dans Zamba, comme il s'en va. Moi, juste dans la joie parce que le Seigneur est parmi nous. Il dit que c'est dans Zamba, Zakat Nabiso. Deuxièmement, parce que toi, tu es là. Yami Balé, collectionne ma pamba de Yosali, Nessiko. À cause de ta présence, la parole de Dieu sera prêchée ce matin. Natine Nabouja de Saminayo, sans mon homme, Zambé côté, Manatongoli. Pas beaucoup de temps avec vous. À cause de ta mominote, mon abino. Permettez-moi de prendre même 2 minutes. Pesanga Ingoamoke, au Vanda, Mouam Balé. C'est vous d'abord. Vanda Naino. Aujourd'hui, il y a un homme qui va aller à la porte du Seigneur. Et ça, tout le monde a coulé, il y a un gambo dans le colo. Il a un fardeau. Azana mokumbo penza. Et le fardeau qu'il a. Et puis mokumbo ya zanango. C'est le fardeau du Congo. Et ça mokumbo ya ekolo Congo. Il a vu tant de souffrances dans ce pays. Aziba ngonga mingi ya konyo koma na mbokoyo. Il a constaté que non, sans Jésus, rien ne pourra marcher dans ce pays. Bon, ce soir, qui a été causant à Jésus Christ, mon côté, le commandant de Tambola na mbokoyo. Comme Naum nous a dit dans Naum 2, 10 à 11. Le kola Naum, la lobina Naum 2, 11 à 13. Là, c'est une révélation de l'RDC. Kunezali bongo moniseli ya RDC. On parle d'un pays qui a des ressources extrêmement énormes. Bazo bana mboka moko ezana ban kitan kole kampenza mingi. Là, nam dit ceci, piller l'or, piller l'argent, mais il y a des trésors sans fin. Kuna pete yibana yo wolompe palata kasi kuna bozina bango ezanga suka. En vrai, on parlait de Ninive, mais Ninive n'est plus là, mais quand nous rentrons dans la vision prophétique, c'est notre nation RDC. Parce que c'est une nation qui a des trésors sans fin. Nous avons plus de 60% des minéraux qui pourra alimenter le monde. Nous avons plus de on nous a pillé. Même l'ONU a fait des rapports sur les pillages de l'RDC. Ata Monique passa la kiango na tina na koyiba RDC. Mais l'homme que je vous présente aujourd'hui. Kasi loko na lingi penza toko tamu lelo. Je vais vous présenter aujourd'hui. On a lingi na tal sabiso lelo. Cet homme là. Moto yango. A il est fort de cette nation. Azana mukumba na mboka oyo. Il a dit non. Alobite. Il faudrait que Congo soit pour Christ. Et singele te Congo. Soit pour Christ. Ezala. Soit pour Christ. Ezala pona Christo. Il faudrait que Christ soit élevé dans cette nation. Et Seigneur Christ a tombé à Namboko. Et là il a le fardeau. Mpe azaki mokumba monene wana. De créer une plateforme qu'on appelle Congo pour Christ. Yako sala lis tout le monde là batuba bengete lisanga na Christ pour na Congo. Pourquoi tout cela? Pona nyonso, pona nini nyonso wana? En fait que la main de Dieu puisse opérer dans cette nation. Natina ete loboko na Nzambe e bakosa na kat nekolo. Afin que le Congo puisse se réjouir avec les richesses. Natina ete ekolo oyo e bakose pe na bozu nango. On a tant pillé des pays. Bayi biso mingi. Mais il y a des trésors sans fin. Kasi ezana bozu ezanga suka. Et dans cette nation il y a de l'avenir parce que Jésus Christ est là. Mpe na kat nekolo ango ezana boye lobi ndele ya lobi mpamba te Yesu Christ azalia. Lorsque j'avais attendu ce Congo pour Christ la première fois qu'il a fait ça, j'étais parmi les gens qui étaient parmi les adhérents de Congo pour Christ. Tango na yoka ki mbela ya Congo mpona Yesu Christ ngana zaki moto pena zalaki na kati wana. Je crois que c'était vers 2000 hein? 2002. Là je suis à avec Dr JP. Outa 2002. Alléluia. Amen. Parce que moi j'ai le fardeau de cette nation. Bamba te ngai pe lokola na zana mukumba na mboko yo. Ça a beaucoup parlé. Je m'arrête par là. Na kozana kolba mingi. Alors le CPC c'est ça notre plateforme. CPC ezape lo lenge moko ya biso. C'est Congo pour Christ. Ezabongo Christ mpona Congo. Congo pour Christ ça commence à faire de notre église CGD. Congo pour Yesu Christ ezape le kola lisanga na GDD. En collaboration avec Ezana lisanga na Congo pour Christ en collaboration avec notre église CGD. Congo pour Yesu na lisanga ya CGD. On a voulu aujourd'hui to se pelter lelo inviter un homme. Ya kobengisa moto moko pour qu'il puisse nous parler de son secret dans son ministère. Pambata le bilabiso na oiza bongo ma bomba ni naye na tiene na lotomo. Dans ce pays où rien ne va. Namboka oyekolo oyeloko moko tezo tambola. Il n'a pas aussi
une grande église. Il fait des campagnes qui a des budgets de 200 000 $, 300 000 $, 400 000 $, 600 000 $. Et quel est son secret? Amen. Amen. Moi je ne sais pas son secret, mais je vais dire. Parce qu'il a le fardeau de l'RDC. Il a le fardeau de l'RDC. Il veut que le Congo soit réellement pour Christ. Voilà pourquoi le Seigneur a voulu que cet homme-là puisse faire ce genre de campagne. Amen. Amen. C'était papa pour moi. Azai papa pour Nangai. Alléluia. Amen. Et je l'aime beaucoup. Oyo na lingi mingi. C'est un modèle pour Aza une génération. Ndakisa, ndakisa pour na école. Alors, je vais maintenant inviter cet homme. Nani abengaye. Je suis pas digne de le présenter, mais je vais le présenter quand même. Le collègue est-ce que ça le baguette na kokite? Kotali saye kasi. Natali seka. Parce qu'il m'a autorisé, oui. C'est pour ça que je le présente. Le quoi va passer quand c'est là? Ndazotali saye. Alors cet homme a le fardeau de la nation. Bongo ye asana mukumba penza na ekolo yo. Et il y a des gens qui le comprennent mal. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'il fait à cause des fardeaux. Ça a beaucoup parlé. Je vais appeler l'homme qui porte la Christ d'eau sur la tête. L'homme Dieu. Christ d'eau. L'homme Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu qui est esprit, il est à travers cet homme. Aujourd'hui, notre Dieu, cet homme est habillé en jeans, ketch et chemise. Lelo à la télévision, bien et tozomo na bongo na teni ya bopemi penza. Alors, je vous appelle, je vais appeler l'homme de Dieu. Na ina benga moto na Nzambe. Celui qui a le fardeau de Congo. Oui, Azana Mukumba ya Congo. Il veut que réellement le Congo soit pour Christ. Alingi penza penza Congo et comment pour Christ. L'évangéliste. Mon penza moi. Tisamina qui veut. Avostan. Tisamina. Dans ma zoma, dans zoma, tisamilolo, milolo, milolo. Bakisa et Zoyo Kanate. Matisa, ça l'a yamoué bien. Ça l'a yamoué bien, bien. Et papa. Okyo bakisela kolo maboko na milolo na milolo na milolo. Merci. Matondo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Na pamboli kolo. Qui a permis ce matin que nous soyons en vie. Beaucoup avec qui nous sommes nés. Et d'autres avec qui on a dormi qui ne se sont pas réveillés. Et Dieu nous a fait grâce ce matin que nous pouvons nous rencontrer. J'ai béni les serviteurs de Dieu qui ont bien voulu m'inviter, partager ces moments avec vous. Et je vous remercie, vous qui êtes venus aussi. Et je tiens aussi à m'excuser pour la dernière conférence que vous y avez ici. J'étais tellement pris, je ne m'étais pas présenté. Voilà pourquoi je voulais m'amender pour venir aujourd'hui. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Il m'a demandé de parler sur les secrets de la réussite dans le ministère. Pas seulement dans le ministère, même dans la vie pratique. Je veux m'atteler plus sur un verset de la Bible. Jérémie 29, verset 11. La Bible dit, moi éternel, je connais les projets que j'ai formés pour chacun de vous. Non de promesses de malheur, ni de mais de bonheur et d'espérance. Mes frères et sœurs dans le Seigneur,
Ce n'est pas par hasard que tu es en vie aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu es fort ou forte que tu es encore en vie. Mais la première des choses, si chacun de nous est en vie aujourd'hui, parce que Dieu a un projet à réaliser avec toi. Ce que Dieu veut faire avec toi, il ne peut pas le faire avec une autre personne. Et comme le projet de Dieu n'est pas encore accompli dans ta vie, Dieu te laisse encore en vie. Et je vais souligner à dire aux enfants de Dieu une chose. Aucune personne parmi nous n'a choisi de naître dans cette famille dans laquelle il se trouve. Aucune personne n'a choisi de naître congolais. Et vous devez savoir une chose. Tout ce que Dieu nous recommande, tout ce que Dieu nous impose, est sacré. On peut choisir une femme à épouser. On peut choisir l'homme que tu veux avoir en mariage. Tu peux choisir les vêtements, les chaussures, les quartiers, la voiture. Mais le père et la mère qui t'ont mis au monde, tu ne les avais pas choisis. Dieu t'a imposé. Et voilà pourquoi, chers frères et sœurs, tu peux naître d'une maman prostituée. Tu n'as pas choisi que cette maman là soit prostituée, qu'il soit ta mère. Dieu t'a imposé. Tu peux naître d'un père soula, ivrogne, sorcier, ndoki, escroc, voleur. Tu n'as pas choisi. Dieu t'a imposé de naître dans cette famille. Et si Dieu t'a imposé de naître dans cette famille, parce que Dieu sait à travers toi qu'est-ce qu'il veut réaliser, qu'est-ce qu'il veut faire. Et ce matin, comme il m'a été demandé dans ce thème de parler sur le secret de mon ministère, je voudrais partager avec vous en introduisant une chose. De savoir dire à quelqu'un, tu peux réussir dans la vie. Dieu peut t'élever. Ne regarde pas l'origine de ta famille. Ne regarde pas les cas dans lesquels tu vis. Ne regarde pas les lieux sur lesquels tu vis. Mais regarde Jésus qui t'a fait. Quand tu regardes Jésus et tu fais confiance au Seigneur, ce Dieu-là, le Dieu tout-puissant, le Dieu des miracles, opérera des choses dans ta vie et qui vont étonner les hommes. Frères et sœurs dans le Seigneur, je ne suis pas un extraordinaire, un homme, et je suis celui qui est né d'une femme comme vous, mais qui a passé une vie pénible sur orphelin de père et de mère de le bas âge. À 8 ans, on reste orphelin. Et vous savez, orphelin au Congo, c'est synonyme de souffrance. Ce n'est pas comme en Europe. Quand tu es orphelin, le social te prend en charge. On te paye. On paye ta maison. On paye tes études. Jusqu'à un certain âge. Mais au Congo, vous le savez, qui te prendra en charge? Et la vie était pénible. La vie n'avait pas d'avenir. On avait l'assurance d'aucune chose. Et je voulais parler aux hommes de Dieu, aux enfants de qui sont là, qui négligent Seigneur Jésus dans leur vie. Dans tes efforts personnels, dans ton intelligence, tu n'arriveras pas là où Dieu veut que tu arrives. Et quand on perd les parents, on nous ramène d'ici au village.
Parce que là, on avait un grand maître. Kuna toala ki na koko na biso kuna. Prendre en charge. Ande ko zwa mukumba na biso. Qui était vraiment avancé en âge. Vous laissez pousser na ki makasi. Il habitait une petite maison. Ando fana nda komoko ya moke. Il n'avait pas de chambre. Oya ki na ba sokute. Il était pauvre, misérable. Azala ki mobola mwasi ya passe. Et je voulais toujours aux enfants de Dieu. Nebi saba na nzambe tango nyonso. La pauvreté de ta famille. Mobola ya libota na yo. Ne limite pas ce que Dieu veut faire dans ta vie. Etienne de loté non nzamba ko sala na bon moyi na yo. Ce que Dieu a promis de réaliser dans ta vie. Oyo nzambe asala kya kokisa na bomwe na yo. Il va le réaliser. Et sengela kokisa ya. Et voilà pourquoi dans ma vie. Tala tina na bomwe na ngai. Je ne néglige personne. Na mwana ka moto moko pamba te. Que vous ayez des galles. Ozala na makwanza. Que vous ayez pas de beaux vêtements. Ozala bilamba malamu te. Que vous ayez pauvre misère. Ozala mobola moto na pasti. Je te reçois. Na koyamba yo. Parce que je sais. Po yebi. Où Dieu m'a pris. Wapi nzambe azwa ngai. Et si ce Dieu là. Nzambe oyo. A pu me ramasser dans la poussière. Aloko a pu me ramasser dans la boue et faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Je crois aussi que Dieu peut ramasser quelqu'un et faire plus que ce qu'il a fait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dans cette vie misérable, sans chaussures, sans vêtements, vous allez à l'école pieds nus. Vous n'avez rien. Vous allez le côté. Mais Dieu est en train de nous chercher. Et comme je travaille bien, on m'avait engagé d'aller au séminaire. Pour devenir prêtre. Et je suis allé au couvent. Pour étudier là-bas. Mais je n'avais personne pour me payer les études. Je dois me faire domestique. Laver les soutanes. Repasser. Me payer les études. On fait ce qu'on pourrait faire. Je tenais toujours à tout prix à étudier. Mais malheureusement. Mawa. Aux examens d'état j'échoue. Kuna na kozwegre état na zuite. Sur 12 11 qui ont reçu moi j'échoue. Na batozom na melezom na moko bazwinga moko na bendi mokila. C'était une peine. Et cela qui passe. Je reprends. Na bandeli. Et je commence encore à étudier. Na diskotanga. Et comme j'étais très intelligent. Luko na zalaki mayele makasi. On m'a retenu comme professeur. Bazwinga loko la mulakisi. J'enseignais. Nazo lakisa. J'étudiais. Nazo tanga. Jusqu'à 6e des humanités. Kino na 6e des humanités. J'ai donné cours. Na ndeko pesa. J'étais élève. Na zalaki mwana pikira. Nous sommes allés aux examens d'état. Toke au sale examen d'état. Tout le monde a réussi. Batonyo so bazwi. J'étais le seul. Ngai lisusu na zwite. Alors, je vais encore reprendre pour la troisième fois. Na ko bandela pona mbala ya misato. Là, je vais venir étudier à Kinshasa. Wana ko akotanga na Kinshasa. Je commence à étudier ici. Na liko tanga na Kinshasa. À Matete. Na Matete. Des bonhommes. Na des bonhommes. Là où il y a le pont, là où on a fait les sauts de mouton sur cette avenue. Ici, c'est le mouton na balaba na munene na tina suka. Avenue Lumière de ma crevette, qu'on appelle Baba ça. Lumière, au fin fond là-bas, il y avait l'école d'un certain homme qu'on appelait Karaï. Et j'étudiais là-bas. Je ne suis jamais monté dans un bus. Ni dans les foula-foula à l'époque. J'ai quitté Ngaba Manzengele. Je faisais les pieds jusque des bonhommes. Chaque jour, Mokolonyos. Je partais à pied. Je rentrais à pied. Nazozonga makolo. Vous n'avez même pas un franc. Vous attendez les pour acheter des coca pendant la récréation. Parce que chez ma tante où j'habitais, c'était aussi la souffrance. Son mari était une sentinelle dans une maison. À Salongo, na Salongo. On lui paye $50. $50. Qu'est-ce qu'il peut faire de nous? Et à cause de ça, comme je tenais, et quand je vais parler dans les causes de la réussite, je parlerai de beaucoup de choses que je ne saurais pas terminer. Parce qu'il y a des gens qui sont ici qui pensent que tout tomberait du ciel, qu'ils ne font absolument rien. Et je me suis décidé, un ami est venu me voir, il était à l'université, il me dit à Boamanda, c'est 5e rue, il prend les étudiants pour moudre les maïs, pour moudre les soya, les mettre dans les sachets, na sachets, et après on va les payer. Na si ma kofuta mno bambongo. Je dis je vais partir. Na bina kokende. J'ai quitté le Mété, à pied. Je prends tout le boulevard à pied. Jusque sur la 5e rue. Je descendais sur la 5e rue. Vous partez là-bas. Vous arrivez vers 13h14. Vous commencez à moudre les maïs. Vous mettez dans les sachets. À 18h on vous libère. Et vous faites encore les pieds. Je sors vers 12e rue. Je prends la grande avenue de Mombele. Je travaille jusqu'au marché
continue jusqu'à la maison. Des fois vous arrivez à la maison, on n'a pas préparé, on n'avait rien, vous devez encore dormir. Et le matin, vous devez aller encore à la maison et repartir. Donc humainement parlant, aucune chose qui peut démontrer que tu périsses dans la vie. Humainement parlant, tu vois que ta vie est limitée. Mais je dis à quelqu'un aujourd'hui, ta vie n'est pas limitée. Ta vie n'est pas limitée. Peut-être Dieu est en train de faire passer dans une école, une école de formation, parce que Dieu a des responsabilités, des grandes responsabilités à te confier. Parce que toi demain, tu seras l'arc principal de la maison de la famille. Et Dieu commence à te préparer. Dieu ne lève pas quelqu'un qu'il n'a pas préparé. Parce que si tu n'es pas préparé, quand Dieu te lève, quand Dieu te bénit, la bénédiction de l'Éternel deviendra un obstacle. Un obstacle pour toi-même. Ça peut te pousser dans l'orgueil. Et dans beaucoup de choses qui ne vont pas glorifier le nom du Seigneur, mais qui vont rabaisser le nom du Seigneur. Et Dieu est fort. Alors à cette époque-là, j'étais à l'école des Caraïbes. Il avait son neveu. Et son neveu était dans la même classe que moi. Et moi j'étais son professeur. Mais lui il a chance d'avoir les diplômes. Il était étudié au campus. Et il devrait enseigner dans cette école-là. Mais quand il est venu, il m'a vu dans la salle de classe. Moi qui étais son professeur. En uniforme. Dans la salle de classe. Il dit à son oncle, il dit, il y a un élève qui est dans la classe là-bas. Il m'a enseigné. Toi, tu es à l'université. Lui est en sixième. Comment il t'a enseigné? Il dit oui, il avait raté, mais c'est très intelligent. Et on m'a donné le cours. J'ai commencé à enseigner. En sixième des humanités. Et j'enseignais. On est allé aux examens d'État. Tout le monde a réussi. Je t'ai laissé la rate. C'était pour la troisième fois. Tout ça, Dieu était en train de me chercher. J'ai dit, je ne veux plus étudier. On m'a forcé par les amis. Alors j'ai ouvert un centre à Saint-Laurent-Angaba. Vers Mongolodiak là-bas, une église catholique là-bas. Et on m'a donné une salle où je donnais cours aux finalistes. Le soir, vers 19h, il y a des gens qui suivaient le cours. J'expliquais le cours. Et on m'avait baptisé le nom Ancien Testament. Et les gens pour se moquer de moi appelaient Ancien Testament. J'ai donné cours aux finalistes. Et un jour, une fille de 12 ans m'a parlé de Jésus. C'est une fille de 12 ans qui m'a gagné dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous ne voyons plus les gens évangélisés. Allez de maison en maison. Les gens pensent qu'ils ne peuvent rien faire. Devinez aujourd'hui, des milliers et des milliers de gens sont sauvés. Et tout le monde. J'ai organisé des campagnes dans de grands stades à travers le monde. Les âmes sont sauvées. Mais une fille de 12 ans qui est. Mais toi, depuis que tu es dans le Seigneur, tu pries, tu connais Dieu. Mais quand tu viens le dimanche à l'église, tu regardes de gauche à droite. Est-ce que tu peux dire ces frères-là qui jouent à la guitare, qui jouent à la batterie, cette sœur-là qui chante, ce frère qui fait le protocole, qui fait la modération, c'est moi qui l'ai gagné. Quand tu trouves, il n'y est pas. Aujourd'hui, il y a une grande paresse dans l'église. On a laissé la place
au témoin de Jéhovah qui passe de maison en maison, les évangélisés. Mais nous les enfants de Dieu vivant au marché, tu ne veux pas dire parler de Jésus-Christ. Là où tu travailles, à l'école où tu étudies, tu ne veux pas prêcher le Seigneur. Mais si tu ne veux pas le faire, parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche, les témoignages de ta vie, tu n'es pas correct. Tu ne marches pas bien. Tu marches dans le péché. Et ces péchés-là t'acquisent. Te dis. Toi, tu veux parler ici. Toi qui sors avec les chefs. Tu veux nous prêcher quoi? Toi qui fais ceci. Tu veux nous prêcher quoi? Et cela te bloque. Mais si tu es libre, il n'y a pas un travail important qui nous est imposé, si ce n'est que de parler de Jésus, de prêcher Jésus, de soutenir l'œuvre de Dieu. Tu peux prêcher de plusieurs manières, par ton argent, par l'évangélisation, en faisant peut-être des invitations. Il y a beaucoup de manières par lesquelles on peut gagner sa vie. Et cette année-là, j'ai reçu le Seigneur. J'ai commencé à prier très tôt. Mais ça, 6 mois seulement, j'avais tellement soif de Dieu. Je ne manquais pas la prière. Qu'il pleuve, qu'il neige. Ce qui fait que j'ai commencé le ministère de la puissance 2 ans et demi après ma conversion. À 6 mois, on m'avait déjà responsabilisé comme responsable d'intercession. À une année, on m'a donné une cellule de prière à Dieu. C'est l'avenue qui quitte. Et université. Deuxième parcelle à droite. J'ai commencé à diriger la cellule. La cellule évolue. C'était une grande assemblée de toutes les cellules qu'on avait. Et 6 mois encore après, on m'a fait partie de là. On m'a envoyé sur l'avenue Fèche. Je commence à prêcher. Na la et 6 mois encore plus tard, on me dit non. Babite, comme tu as les talents, tu as les dons, nous voulons que tu sois itinéraire. Je commence à prêcher dans les assemblées. Et après, na sima, il me dira, mon père me dira, Dieu m'a parlé de toi. Je dois prier pour toi. Je dois te libérer pour aller commencer ton ministère. Je ne savais pas le ministère c'est quoi. On avait aucune formation. On avait que les affaires. Des campus pour Christ. Je vais aller commencer le ministère. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de moyens. Je n'ai rien. Et voilà la première des choses. Si tu veux réussir dans le ministère, il faut avoir l'appel de Dieu. Est-ce que Dieu t'a appelé? Aujourd'hui, nous constatons une chose. Il y a des gens que Dieu n'a pas appelé. Il n'est pas appelé. Mais parce qu'il a l'argent, je vais commencer une église. Oui, j'ai vu ça même en Angola. Un papa qui a son argent, il vient, il achète la parcelle. Il fait l'engagement. Il fait les instruments. Et il engage le pasteur. Le pasteur là, c'est lui qui le paye. Lui, on le met une grande chaise là-dedans. Apôtre Thomas, mais il ne sait même pas prêcher. Aye, il ne connaît pas les écritures. Aye, quand il entre, so que les gens l'applaudissent. Il vient, il est assis là-bas. Il a des pensées qu'il dirige. Et aujourd'hui, ces églises n'existent plus. Le ministère ne vit pas parce qu'on a l'argent. L'église, Ecclesia, ne peut prospérer et puis quand on a l'appel de la part de Dieu. Quand Dieu t'a appelé. Et aujourd'hui nous constatons aussi un groupe de gens qui sont rebelles. Ils choisissent un frère. Comme tu parles bien, nous allons sortir. Sois notre pasteur. Vous allez bien partir. Mais vous ne résisterez pas. Vous allez partir. Okay. Bon, nous sommes de la même tribu. Nous allons commencer notre église. Laissez-moi vous dire une chose. Dans les choses de Dieu, la tribu n'existe pas. École est à la carte.
Le tribalisme n'existe pas. La Bible dit dans le Seigneur, nous sommes un. Nous avons un seul Père. Qui est Jésus. Notre tribu là. Tribu de Bandundu. Y a Bandundu. De l'Équateur. Dans l'église. Ces choses là n'existent pas. Nous sommes frères. Nous sommes sœurs. On ne peut pas prendre les choses du monde. Amener dans l'église. Non. Ça ne marche pas. Frères et sœurs dans le Seigneur. Nous devons laisser ces choses là. C'est qui déduit nos églises. Quelqu'un peut prier dans une église. Comme le pasteur n'est pas de sa dialecte. Il ne le soutient pas. Il est partenaire de notre passer dans une autre. Azamo sungi ya mobate pate kreza musoba na ele le kota moko koloba. Dieu ne te bénira pas. Nzambe akotika la ko pambola yote. Qui dit amen. Amen. Il faut avoir l'appel de Dieu. Et singo sana mbenga nzambe. Et quand on a l'appel de Dieu, tango sana bela ya nzambe. Attends le temps. C'est la tango. De celui que Dieu a mis devant toi. Ya moto nzambe tie di boso. De celui que Dieu a placé devant toi. Ya nzambe tie di boso. Qu'il dépose la main. A tielo maboko. Qu'il prie pour toi. Asambe la pona yo. Pour t'ouvrir la porte grande. Pour fongere kuke polele. Et que tu sortes par la porte. Kobi ma biba na peko. Mais il y a des gens. Eza na misusu. Dans leur ministère. Na baloto mona bango. Qui sont sortis par la fenêtre. Ba biba na nilisa. Et après. Asima. Tu n'es pas parti avec la bénédiction du Père. Okelena li pamboli a tatate. Ton Père n'a rien dit. Tata na lobe lokote. Tu as profité peut-être d'une faiblesse de ton Père. Tamusu sotali kama botau tata zanango. Il est tombé dans l'adultère. Akwena ekobo na kindumba. Il a fait tel tel autre. Asali kama songolo pakala. Et tu as profité de cette occasion. Yosu na li bakuana. Il a lu ce n'est pas le nom de Dieu. Ah moto na nzambe te. Moi j'ai pas. Tenga na kokende. C'est qu'il a fait non. Oya sali ya malamu te. Mais toi tu ne sais pas. Ce qui t'attend demain. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Les combats qu'il doit rencontrer. Au contraire. Si tu étais un bon enfant. Tu devais couvrir la nudité de ton père. Tu devrais le soutenir. Je connais pas celle en France. Ma famille vit en Europe. Ça fait 20 ans. Alors je connais pasteur, un pasteur congolais. Sa femme est une antillaise. Moi, si je suis un antillaise. Alors dans son église, l'église, il y avait des congolais. Il y avait beaucoup d'antillais. Alors un jour, une sœur est passée devant pour témoigner qu'il sortait avec les pasteurs. Vous vous rencontrez ailleurs. Pourquoi ne pas vous régler vos problèmes? Pourquoi amener ça dans l'église? Quelle est la part de l'église dans vos histoires? Quand vous l'avez commencé, l'église n'était pas là. L'église est terminée ailleurs. Et ce que je constate, quelqu'un qui a une dette, on veut demander à l'église. Vous ne connaissez pas sa maison. Et tout ça, c'est pour semer la confusion dans l'église. Et Dieu ne te laissera pas impuni. Et la Bible dit, ce pasteur est tombé. Alors, les frères congolais étaient révoltés. Non, il ne peut pas faire de telles choses. Moi, je vais amener mon instrument. Moi, je vais amener mes chaînes. Les vidéos, c'est moi qui ai mis. Ils sont partis. Et le pasteur est passé devant. Il a demandé pardon. J'ai dit, j'étais dans la faiblesse. Ce qui m'est arrivé. À date d'aujourd'hui, je ne veux pas prêcher. Autant d'années que vous voudrez que je ne prêche pas, je resterai sur les bancs. Je demande pardon. Les entiers sont restés. Ils ont organisé l'église. Le pasteur venait. Il se mettait derrière. Et pendant que le pasteur est dans la suspension, les entiers s'y sont organisés. Celui qui est dans la suspension, on lui achète une belle voiture neuve. Dit, tu es notre père. On te donne ça. On prend la charge de la maison. Le manger à boire, c'est nous.
Ils ont connu avec l'église. Le pasteur a fait une année, six mois. Il ne prêchait pas. Il a cherché la face de Dieu. Et quand il est revenu, l'église a monté. L'église est et aujourd'hui, en France, il est le seul pasteur congolais qui a cherché un terrain. Il a construit l'église. Maintenant, les Congolais sont revenus. Quand ils sont revenus, oh, c'est l'église de notre frère. L'église de Konabiso. C'est l'église de Konabiso. De Congo. Mais vous l'avez tué. Vous étiez parti. Laisse-moi te dire. Nous sommes dans une guerre. Dans la guerre, nous nous trouvons. Avec les camps de l'ennemi. On a des blessés. Si notre frère est blessé. Si notre sœur est blessée. Nous devons le soigner. Nous devons le protéger. Il sera utile. La seule armée au monde qui tue ses généraux, ses héros, c'est l'église du Seigneur. On ne va pas te soutenir. Ils vont t'abandonner. La première des choses, je parlais de l'appel. Il faut avoir l'appel de Dieu. Et quand tu as l'appel de Dieu, lui qui t'appelle, il te prend en charge. Et de deux, quand tu as l'appel, tu dois avoir aussi le courage. Dieu dit à Josué, Josué, prends courage. Fortifie-toi. Car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que je les ai choisi. Il faut prendre courage. Frère, ne crois pas que les choses tomberont du ciel. Quand Dieu m'appelle, on prie pour moi. Je suis chassé dans beaucoup d'églises. Je suis allé dans une église des assemblées de saints. Je vais travailler avec vous. Et un jour, un dimanche, je prêchais. J'ai commencé à prier. Et à l'époque, le phénomène de voir les gens qui tombent, les gens ne le savaient pas. Et quand je commence à prier, les gens crient. Les gens tombent. Il y a même des mamans qui ont fait caca dans les gens. Les anciens. Les gens crient des pâques. Après la prière, il y a une réunion. Si malosambo ba fandi, cet enfant doit avoir de la magie. Moi, nous avons soloka. On doit le convoquer à la réunion pastorale. Toko bengi service sur babate pate toi solo la naï. On m'a convoqué le mercredi. Ba bengi sambo kola misato. Je suis parti. Na kei. On me dit moi na osote ya bien. To sepe na matéya. Mais pesa biso bilogu osana. To bon de la ponayo, to leksu na délivrance. Parce que makamu salaki dimanche à makamu soni. Je ne savais pas, j'étais jeune, je n'avais que 22 ans. À l'époque. Je dis, mais je n'ai rien. Il dit, mais si tu ne confesses pas, si tu ne donnes pas, c'est ton dernier jour. Elle ne vient plus. On m'a cherché, je suis parti. Et quand je suis parti, il y avait un frère qui priait dans un groupe de prière à Salongo. Il y a un pasteur qu'on appelait Lissungi. Il était magicien. Alors il avait ouvert. Un groupe de prière à Salongo. Et lui venait de se marier. Il est parti avec sa femme à Kisangani. Alors le frère qui était resté avec le groupe de prière, ils m'ont invité à aller prêcher là-bas. J'ai prêché les premiers jours. Ils ont accepté. Ils m'ont demandé de travailler avec eux. Et j'ai rencontré ce groupe de prière à l'époque. 36 à 40 personnes. Et quand j'ai commencé à travailler avec eux, nous avons quitté de 36 à 500 plein de monde. Les femmes des autorités. Les professeurs Kassongo. Le gens venaient prier. C'était plein. Et quand je priais à l'époque, je chassais les démons. Il y a des gens qui tombaient sur la rue en passant. Qui tombait dans les parcelles voisines. Alors, tout le monde dit, moi, nous sommes biloko. Alors, moi, je commence à le dire, biloko, parce qu'à l'époque, les pommes de l'onction, on ne savait pas. Quand on a commencé le groupe de prière, on avait seulement les ailes de prier. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Parce qu'on n'était pas enseigné à profondeur. On n'avait pas la chance que vous avez vous aujourd'hui. Et trois mois après,
Le pasteur est venu. Il me dit, évangéliste, tu ne vas pas travailler avec moi. Qu'est-ce que je fais? Non. Tu dois partir. Kende kaka. Ça va me pousser d'aller chercher la face. Je vais qui moins en forêt. Je vais aller prier. Demander les directives. Je voulais dire à un enfant de Dieu. Tu veux faire quelque chose? Demande les directives à Dieu. Même tu veux t'engager dans le mariage. Tu veux faire un voyage. Tu veux commencer ton ministère. Tu veux commencer une affaire. Demande les directives à Dieu. Dieu te dit, qu'est-ce que tu vas faire? Où tu vas commencer? Avec qui tu vas travailler? Et comment cela va se faire? Dieu te parlera. Mais souvent, nous engageons dans des histoires. Nous ne consultons pas Dieu. Mais quand ça ne tourne pas, alors on rentre auprès du Seigneur. Dieu n'abandonne personne. C'est nous qui abandonnons Dieu. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais en forêt, je rentre, je trouve une maman qui me donne une parcelle à Rigini. Il dit, frère Jean, tu peux commencer le groupe de prières. Je n'ai pas une chaise, je n'ai pas un banc, je n'ai pas un tam-tam, je n'ai rien. Je vais commencer comment? Alors j'ai dit, je vais commencer par une campagne d'évangélisation. J'ai fait la campagne d'évangélisation à Memokine. Là où les gens vont aller vers Mongoloudiaka. Avant de l'arrêt, maintenant c'est l'arrêt de bus là-bas. Oui, voilà. Maintenant c'est là, la ville était petite. Il y avait l'espace. Moi, c'est là où j'ai commencé la campagne. Je prêche le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. La campagne était de 5 jours. Et le vendredi, on vient m'arrêter par la police de Ngaba. On est parti m'acquiser. Il y a un garçon qui fait le spectacle de la magie. Il y a des gens qui tombent en coups de route. Les passants tombent là-bas. Et ainsi de suite. Alors on m'amène à la commune de Ngaba. On me demande de présenter le document de la magie. L'autorisation. Qui me permet de faire le spectacle. Je dis mais je n'ai pas. Moi je prêche Jésus. Aujourd'hui il n'y a pas de campagne. Et comme c'était le dernier jour. Et chaque jour. Nous disons aux gens. Quand nous terminons ici. Nous irons sur l'avenue locale. C'est là où on va commencer le groupe. Et les samedis, les gens sont venus. Il n'y a pas de banc. Et on a mis des blocs de briques. Il y avait des briques qui étaient battues dans le parcelle, pour bâtir le toilette. Nous avons utilisé ces briques comme Frères et sœurs dans le Seigneur, si vous échouez dans votre ministère, il faut revenir à vous-même. Est-ce que c'est Dieu qui vous appelle? Nous qui avons commencé dans cet état, est-ce qu'on peut arriver là où on est? Pas même un seul banc. Même une chaise. La chaise sur laquelle je me mettais. C'est la maman de la parcelle qui me donnait la chaise. C'était une chaise en bois. On a mis la peinture verte. On me donnait la chaise. Et le jour où ces enfants se fâchent, ils ne donnent pas la chaise. Le premier banc qu'on a fabriqué. Et fin de la parce qu'on se mettait comme ça. Tu allais confondre la caca boue, caca boue. Ma sandamine et caca la babiri qui va. Et à l'époque, ne les quoi? On demandait pas l'offrande. Tu allais confondre ma bonzaté. L'offrande était un sacrilège. Ma bonzaté qui est loco moko ya ma paix. On n'était pas enseigné. Le coup la tola qui s'est ma quitté. Dans les groupes de prière. Na ma sanga ma bonzaté. Se mettre debout. Côté le malicolo. Demander l'offrande. Confondre ma bonza. C'est du vol. Ezakoi baoso yi babatu. On priait et on disait chacun les dimanches. Maintenant on va fabriquer les bancs avec quoi? Une soeur, on lui a donné mon adresse. Il est venu pour que je prie pour lui. Elle était métisse. Elle vient dans une belle voiture. Elle vient nous voir sur les blocs de briques. On n'a même pas un tam-tam. Tout ça est en. Elle est en train de nous regarder. Église en gros, il y a un gros yobie.
Elle est restée dans la voiture. On a fini. Il a appelé une soeur. Je voudrais voir les frères Jean. C'est lui. Il me regarde. Les frères Jean donnent pas, c'est toi. Oui, c'est moi, maman. Bon, monte dans la voiture. On est parti chez elle, elle habitait le bon marché. Elle dit bon. Quand vous n'avez pas de banc, je peux vous donner une carrosserie. Et pas vous n'avez pas de banc. Mais elle avait beaucoup d'argent. Je dis, ah, merci. Vous voyez d'où on vient? On manque même l'argent de fabriquer un banc. Nous sommes allés à Saint-Luc. On a démonté la carrosserie. On a pris des frères. On a pris des frères. Voilà pourquoi j'ai toujours dit même à mes collaborateurs. Tu peux blaguer avec tout. Mais pas avec l'œuvre de Dieu. Qui que vous soyez. Je te mets de côté. Peut-être tu es venu aujourd'hui. Tu as vu les instruments. Tu as vu les chaises. Tu as vu une grande foule. Tu as la dîme, tu as l'offrande. Mais tu ne sais pas comment les gens ont souffert pour arriver là où ils sont. On a fabriqué les premiers. On a continué. Pour dire la deuxième chose, pour que tu réussisses, pour longa, en dehors de l'appel, le courage. Sois courageux. Zala moto na ce que tu es en train de faire. Na ozo sala. Sois courageux dans ton commerce. Zala moto na ntuntu na mboko na yo. Sois courageux dans ton ministère. Zala moto na ntuntu na lotomo na yo. Sois courageux. Zala moto na ntuntu. La Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Na bato ya mpiko. Pas les gens qui sont là. Bato ba lemba lemba te, bato ba lemba, ba sosela. Eko uta likolo kweya. A sosela. À soi mis solo, passer le consolo, Bibi et Lobi, va avec la force que tu as. Kendena makasio zana yango, commence avec ce que tu as. Bandana mukio zana yango, n'attends pas demain. Conseil à l'obité, ne dis pas je n'ai pas de partenaire. Kolomate na zana mosungite, je n'ai pas d'argent. Na zana mis solo, commence. Banda, si Dieu t'a appelé, soki zaba benga yo, même dans ton salon, attends na salon na yo, commence. Banda, même dans ton coin, attends na mo pembeni kuna banda. Dieu sait, zambe a yebi, ce qu'il fera. Oya ko sala, si nous pour ceux qui on aurait attendu qu'on ait l'argent pour commencer, on ne devrait rien faire. Qu'as-tu dans ta main? On peut te donner 1 000 $. On peut aussi ici. Mais on peut aussi 1 000 $ à salaire à faire. On peut aussi 10 000 $ pour ma camouille. Qui citait Salaki. Amen. Courage. Amen. S'il y a un peuple qui n'est pas courageux, c'est les Quinois. Les Quinois aiment la facilité. Les Quinois pensent que tout descend du ciel. Et vous constaterez que les trois quarts même des ministres, des PDG, ce sont des gens qui viennent de village. Quand on arrive à Kinshasa, il va à l'école à pied. Sois courageux. Et troisième des choses. Tu
tu es courageux, il faut que tu sois déterminé dans ce que tu es en train de faire. Même si les gens te découragent, même si les gens te disent non, tu ne sauras pas. Mais c'est moi qui ai entendu la voix de Dieu. Dieu m'a parlé. Je dois me déterminer de ce que je dois faire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu parle de plusieurs manières. Il t'a parlé en rêve. Il t'a parlé dans des visions. Il t'a parlé dans des prédications. Il t'a parlé dans des prophéties. Mais maintenant toi attends quoi? Écoute-moi te dire une chose. Dieu a parlé à Noé. Et Noé vient. Fais large. Je vais détruire le monde. Dieu n'a pas donné à Noé le clou. Dieu n'a pas donné à Noé les planches. Il ne lui a pas donné des bitumes. Il ne lui a rien donné. Mais il lui a donné la vision. Comme toi aussi. Dieu t'a donné la vision. N'attends pas que Dieu te donne de l'argent. Mais toi, travaille la vision qui était à nous. Fais le premier pas. Fais le second. Avez-vous déjà vu un enfant naître avec la barbe? Avec les dents? Na mino. Na mama ko kimo ko milisa mwana. Elima. Ba télévision ko kita. Et même dans la vie du ministère. Attends, na boma lotomo. On ne commence pas grand. Babanda monene te. On commence petit. Babanda kamoke. Le monde dit mokile lobaka, petit à petit moke. L'oiseau fait ndeke azo sala zala na ye. Petit poisson deviendra grand. Bisi amoke okomaka monene. Si on le prête vie. Soki batike kaka na bomo. Je dis à un enfant de Dieu. Ne bisi mwana nzambe moko. Je dis à un serviteur de Dieu. Imo sai na nzambe moko. Il y a 10 personnes. Osana bato zo. Il y a 15 personnes. Osana bato zo na mita. Il y a 20. Ba bato tukumi bale. Travaille avec ces gens. Sala na bato tukumi bale. Écris leur ta vision. Koti sa bango monise. Écris la vision. Koti ango monise. Tu es des doubles à nœud. Mais tu me comme c'est bien kati na bango. Dieu fera des choses. La détermination. David arrive à la guerre pour voir ses frères. Il entend Goliath insulter Dieu. Il se décide de rencontrer Goliath et de se battre avec lui. Ses frères lui disent: tu es jeune. Tu ne peux pas. Tu es un vantard orgueilleux. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es venu voir la guerre ici. Ces gens que tu vois enrôlés dans l'armée, ils n'arrivent pas à se battre. Et toi, la Bible dit, il a quitté ses frères. Il s'est déplacé. Je veux dire à quelqu'un, si tu as un homme, une femme, qui te décourage dans ce que tu vas accomplir, il faut l'écarter.